Fini le soleil de Hawaï pour Barack Obama, forcé d'écourter ses vacances pour prendre à bras le corps l'épineux dossier fiscal qui doit impérativement faire l'objet d'un consensus au plus tard le 31 décembre. Car passé cette date et pour combler la colossale dette publique du pays, l'ensemble des salariés américains verront leurs impôts automatiquement augmenter. Un scénario du pire que le président américain souhaite éviter en proposant au président républicain de la Chambre des représentants une solution négociée entre hausse des impôts pour les Américains les plus aisés et diminution des dépenses publiques. En l'absence de consensus sur la politique budgétaire, la menace du fiscal cliff ou mur budgétaire pourrait bien replonger l'économie américaine dans la récession en 2013. Et ces inquiétudes sur le budget ont également des répercussions sur la confiance du consommateur américain en net recul.